Eh bien, salut tout le monde, c'est Dessan et on se retrouve aujourd'hui pour notre 23e épisode sur l'ombre du Mordor. Eh ouais, 23 déjà, putain, ça passe vite. Bon, alors vous avez vu qu'il y a eu un petit souci de montage, un petit souci. Oui, tout à fait, il n'y a pas eu d'épisode 20... 19 19, il n'y a pas eu d'épisode 19, on est passé du 18 au 19. Je m'en excuse fortement, les amis. Tout simplement, en fait, vous allez vous foutre, de ma gueule. C'est de ma faute, hein. J'ai tout simplement supprimé le rush bêtement par bêtise et par, en fait, le problème aussi énormément, on va dire, de choses à faire. Et bah du coup une connerie, c'est une connerie. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas d'épisode 19. Je suis fortement désolé, mes amis. C'était vraiment pas voulu, c'était vraiment pas le but. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il s'est pas passé grand chose dans cet épisode. Il y a une petite partie de chasse, rien de bien méchant. Donc là, normalement, sur les prochains, il n'y a pas de souci. Donc ne vous inquiétez pas. Mais là, encore une fois, c'est une grosse erreur de ma part, tout simplement. Voilà. Bon, on va se retrouver donc pour notre épisode 23 aujourd'hui sur ce beau jeu de l'ombre du Mordor. Alors, où nous étions arrêtés, à quel moment, je ne sais plus, pour tout vous dire. Nous avions été, libérer notre très cher ami, je ne sais plus comment elle s'appelle, ce Tyriel ou un truc comme ça. Bref, l'humaine, là, qui a eu un petit problème, on a été la sauver dans le fort tout en haut, là. Et donc, nous avons de plus en plus l'armée qui nous appartient, en fait. Et comme on m'a dit dans des commentaires, n'hésite pas à prendre possession de plein de soldats. Ça t'aidera pour aller niquer les autres. Et oui, c'est vrai, tout à fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, lui, il attend mes ordres. Lui, c'est mon pote ou pas? Non, je ne sais pas. Ah si, il m'appartient, lui. Il s'est fait baffer déjà. Ok. Tac, 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 tac. Donc il faut qu'on arrive à choper un maximum de chefs de guerre qui nous appartiennent, en fait, tout simplement. On a juste un souci, lui ne nous appartient pas, le gros dégueulasse, mais il me casse les couilles parce qu'il est moche. Des cas par explosion et 2 cas par coup finaux au combat. On va essayer de se le taper, lui, parce que je l'aime pas du tout, et comme ça on pourra apporter rébellion contre son chef. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Dents de verre, et puis qu'est-ce que j'ai de l'épique qui traîne? Niveau 6 c'est pourri, niveau 5 c'est naze, niveau 10 c'est une maison inventive, restitue. Ça c'est bien ça. Niveau 13, niveau 6. On va mettre ça. Qui est plutôt pratique. Est-ce qu'il y en a certains que je peux remplacer là-dedans? Niveau 12. On a bien des trucs meilleurs que niveau 12. Que niveau 11, je veux dire. Et puis que niveau 12 aussi. Niveau 11. Niveau 11, niveau 6, niveau 6, niveau 11. Ben, on n'a pas grand-chose. Niveau 15. 40% de chance que les Uruks pris au dépourvu s'enfuient à proximité d'un meurtre. Ouais, mais ça c'est naze, j'ai pas trop... Au niveau 18, bah, c'est toujours pareil. Moi ça me fait chier, ça c'est toujours le même aura, ça. Esprit brisé, 37% de récupérer. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, on va se mettre ça. Ok, et sur mon épée, j'ai que de l'épique de toute façon. Donc j'ai pas des choses qui sont... Si, les meurtres par rafale restituent... Ah, 13% de santé, ça c'est pas mal. Bah écoutez, ça j'aime bien. Après, est-ce qu'on l'a pas de plus haut level sur certains trucs? Bah, pas vraiment. Mais sinon, celui-là, il est pas mal. C'était quoi déjà? Faut que je m'en souvienne. Ah, j'ai de l'épique là. Déverrouille la compétence légendaire tempête. Oh, bah ça, je veux bien, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment déverrouille ce truc? Déverrouille la compétence légendaire tempête du Durfael. D'accord, je ne sais pas comment on fait. Alors, premier point, on a un point de compétence encore à débloquer, les amis. C'est quoi ça? Coup critique. Effectuez vos attaques au bon moment pour augmenter votre compteur de coups de 3. Appuyez sur X une fois seulement lorsque le coup porté pour recevoir le bonus. Ok. Là, c'est quoi? Dégagement rapide, restant... Ok. Brûlure spectrale. Une fois votre compteur chargé, appuyez sur X et Y pour tuer tous les oraux qui sont étourdis ou à terre. Oh putain, les autres oraux apportés fuiront peut-être de terreur. D'accord. Éradication, appuyez sur 1 pour tuer tous les Uruks et monstres marqués. Ah ouais, c'est comme ça. Mais si... Bah non, je veux pas les tuer parce que ça peut être vraiment trop utile. Chevauché spectral, ça peut être bien. Drainage de combat. Une fois le compteur de coups chargé, appuyez sur... Pour drainer
Un Uruk, ce qui vous permet de récupérer des tirs d'elfes. On s'en fout. Eh bien écoutez, on va mettre ça. Je pense que c'est le plus sympa. C'était quoi la tête de mort? Menace de mort. Ouais, menace de mort, c'est pas terrible. Ok, ça marche. Attribut, on n'a pas assez. Et progresse. Ah, progression. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Dites-nous tout. Mission principale 18 sur 20. Bon, on arrive un petit peu au bout. Mission de sauvetage d'exilés. D'accord. Bah écoutez, on arrive presque au bout du jeu. Dans ce 23e épisode. Donc on va essayer déjà. Je sais pas comment on débloque ce truc de merde, mais bon, c'est pas grave. Le truc légendaire de la mort qui tue. Ce qu'on va faire déjà, c'est que lui, il attend nos ordres. Donc on va y aller. Quoi qu'il y en a même un autre. Il y en a plein là qui recrutement aider, à recruter des partisans. Lui, il fait quoi? Recrutement. Lui, il fait quoi? Lui, il attend mes ordres. Mais lui, il est juste à côté d'une tour. Donc on va aller là. On va se déplacer rapidement et on va aller attaquer le dégros dégueulasse là. Qui a plein de trucs sur la gueule. Qui nous dégoûte fortement. Et on va essayer d'aller tester le truc qu'on vient de débloquer là. Oh merde, attendez, il y a des Karagors. J'ai pas envie de me battre contre des Karagors. Par contre, s'il y en a là. Je sais pas comment on fait hein, pour le. L'histoire du truc là. Wow, toi tu vas certainement te détendre, mon gars. Voilà. Je sais pas comment on fait pour faire les coups critiques. Encore une fois, dégage-toi. Dégage aussi, toi. Ok, c'est bien, il se ramène à beaucoup. On va pouvoir charger notre coup, là. Que je vous disais, que je ne sais absolument pas ce que c'est. Le truc du Fadel de la mort qui tue, là. Oh, la vache! Non, il est pas mort lui. On le charge. Oh putain, c'est bien, ils sont nombreux. On le charge un maximum ce truc. J'ai vraiment envie de l'utiliser. Merde, c'est de ma faute. Ah, le con. Eux, faut les buter. Allez, on le charge un max, ce truc-là. Ah ! Trop fort pour vous ! Regardez-moi ça ! C'est une vraie tuerie. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que le chargeur bug pas mal, c'est-à-dire que si vous n'exécutez pas un coup au bon moment, eh bien, il se remet à zéro. Et ça, c'est un peu chiant. On a bien chargé le truc, là, en bas, vous voyez, en bas, à côté de ma carte, là, en bas à gauche. On a chargé le truc de la colère légendaire de Ufrael, ou je sais pas trop quoi. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, on va commencer ce truc-là, et on va lui demander d'attaquer l'autre boursouflu dégueulasse. Voilà, il est arrivé. En plus, il a pas mal de potes. Groulblick. Qui devient vraiment de plus en plus fort, lui. En plus, il a ses deux potes. Donc, c'est nickel. Ça va être vraiment simple, je pense, à faire. Allez, il faut que... Salut, mon ami. N'aie pas peur. Je te domine juste un petit coup. C'est juste pour que je te commande. Afin que tu ailles me tuer, lui, là. Voilà, lutte de pouvoir créé. Vous pouvez pas changer de cible pendant cette mission. Ok, donc lui c'est fait. Tu es marqué, mon cher ami. Et il faut que j'aille le chercher. Alors, c'est où? Bah écoutez, déjà on va juste aller faire ça. On va juste aller faire ça parce qu'il va aller trahir un allié. Un ennemi, pardon. Excusez-moi. Et ça va être bien utile, je pense. Toi. Tu vas être mon pote. Voilà. Et laisse les esclaves tranquilles, ok? Bitches, motherfucker, bitch. Et moi, je vais aller faire ça. Trahison, c'est parti. Il faut... Oh, 16 contre 8.
Il va falloir vraiment que je l'aide, hein, parce que... Oh putain. Vous avez tous peur de l'immortel. Vous voulez tous échapper à un rôdeur puant. Je vous ai entraîné pour être fort. Le saliveux. Pourquoi êtes-vous des lâches? Oh putain. Il est bizarre. Oh, dans le dos. Oh, bitches, motherfucker. Alors, attendez, parce que là... Si vous pouvez vous battre, ça serait cool. Je voudrais juste faire un truc. T'as peur de la trahison, toi. Non, juste un truc. Avant tout, voilà, lui. Est-ce qu'on connaît un petit peu? Que dalle. Et je pense que le problème, c'est qu'avec lui, les attaques à distance, ça lui fait rien. Ça, je m'en doutais. Bon, on va aller se rapprocher de lui. Parce qu'on va avoir besoin de lui. Mes deux potes vont arriver, donc ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. C'est parti. Oh, putain, il fait mal. Il fait traître. Non, c'est un pote. Oh, putain. Non, c'est un pote. Bitches. Oh putain, je vais prendre très cher. Oh putain, toi va crever. Toi va crever. Et toi aussi. Je me charge à fond là. Ah oh, bitches, ça se trouve je peux pas le tuer. Protège-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs bizarres cet homme. Putain, ils vont l'avoir. Ils l'ont eu quoi. Oh, juste deux avortons qui l'ont eu. Mais nickel, lui il va devenir trop puissant les amis. Po po po. Mais génial, magnifique. Vous avez vu un peu ce qu'il a fait cet enfoiré. Putain, il l'a réussi, je pensais pas. Bam. Allez, il veut devenir chef de garde. Pouvoir accru. Wow, c'est un ouf. Bah là les amis, on en a déjà 3 sur 5. Donc ça va franchement pas être très très compliqué, je pense. Niveau 18. Alors niveau 18 là, ça va être pas mal. On va tout de suite aller voir. Parce que niveau 18, ce n'est pas rien. Donc c'est dans l'arc. Niveau 18. 28% de chance de récupérer plus 1 avec tous les meurtres en chevauchant un monstre. C'est pourri ça. Mais c'est quoi ces trucs de merde? Ok, bon. Ok, bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes petits amis? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Écoutez, là, il y a 2-3 trucs à faire. On va les faire. Les esclaves, les trucs pour l'épée. Comme ça, notre épée sera encore plus puissante. Mais ça va être sympa, je pense. Donc, on va se faire ça. C'est parti. Donc là, on va libérer des esclaves. Histoire de récupérer un petit peu d'XP et un petit peu de tout ça. Pour monter notre personnage à fond. On va essayer de faire une chose, c'est monter le personnage à fond. Pour le truc, hein, pour le RP, vraiment qu'on soit vraiment chaud patate. Alors, sauver 3 esclaves et tuer des orques après les avoir attirés. Ça, c'est pas trop compliqué, ça. Eh, hey. Viens, mec. Ah, bah viens. J'ai besoin de toi, mon pote. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule! Allez, viens, mon pote. T'es pas loin, là. Je vais avoir besoin de toi. Allez, hop. On va libérer, lui. Aidez-moi. Le mec, il va se ramener vite. Merci. Pousse-toi, abruti fini. Qu'est-ce que c'était? Merde, j'ai fait brutaliser. C'est pas ça que je voulais faire, bitches! Ah putain, l'objectif bonus. Oh, et si j'ai appris, c'est trop fort. Oh putain, ça a pris. Énorme. Génial. Attendez, parce que là, il y a un truc à récupérer. Il y en a un qui est là-haut. Et il y a un truc à récupérer ici. Donc on va le récupérer. Voilà. Nickel, une petite récompense. Une figurine en azurite érodée. Les deux Istari. D'accord, ça marche. Hop là. Tu vas me libérer celui-là. Je me moquais de Dirael quand il parlait de magicien, de nécromancien et de magie.
Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Enfant, on est plus proche des Eldar. Adulte, on ne comprend rien à l'immortalité. C'est vrai. Venez par ici, vite! Oh, fils de fils, motherfucker, bitch. Bon, c'est bon, normalement, ça va me faire sortir. Ou pas! Allez, on peut tous se les faire comme ça, regardez. Vous imaginez si j'arrive à le... si ça passe, ça serait magnifique. Non, ça passe pas. Ah ! Putain, il y en a encore plein qui sont sortis. Merde, 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 merde. Là, on peut sortir par là. C'est bon, le problème c'est que c'est la forteresse. Mais très bien, je voulais faire ça, c'est très bien. Faisons-le. La vague rouge. Il s'enfonça derrière les lignes ennemies pour attaquer les quais de la mer de Nurmen. De Nurnen, pardon. Ses eaux devinrent rouges du sang de leurs défenseurs. Forger la légende de l'épée d'Urfael. Urfael, ouais c'est ça en fait. C'est vraiment cette épée en fait. Et le déchaînage, je l'ai, mais alors je sais pas comment on l'active. Attendez, je veux savoir comment on fait moi. Parce qu'ils sont mignons. Mais moi, j'aimerais bien connaître comment on active... déverrouille la compétence légendaire. Ah, je peux faire information peut-être. Ou... non, déverrouille la compétence légendaire, hein, c'est tout. Putain, je peux rien faire de plus. Mais moi, je veux savoir comment on fait. Écoutez, on va voir ça. Donc, il faut que je fasse quoi? Nettoyer les quais de tous les gardes Uruk. Exécuter ses défenseurs. Oh merde. Oh motherfucker. Motherfucker. Il a eu peur l'autre. Reste là. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Toi aussi le gros. C'est bon, on les a tous tués. Ok. Donc il faut que j'exécute des défenseurs. C'est quoi? Va voir si j'y suis en bas, ok? Ils vont tous monter là. Ils vont tous monter, ils vont tous monter, ils vont tous monter. Non, t'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien entendu. Merde, bon bah écoutez, c'est parti, c'est la guerre. Il faut que j'exécute des défenseurs. Alors je sais pas du tout à quoi ils ressemblent ces putains de défenseurs, mais à mon avis, ils sont quand même un petit peu chaud patate. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. C'est parti pour la grosse guerre. Ah fuck that shit, motherfucker. Yeah. Haha. Et boum. T'as perdu ta tête. Merde, putain, il m'a cassé mon combo, cet enculé. Wow! Fils de pute! C'est parti, les amis! Ah! Wouhou! Yo! Motherfucker! Wow, le coup de boule, j'aime pas ça! Je vais débarrasser toute la forteresse. Ha ! Ça va être chaud les amis, ça va être chaud patate. Bon, on peut le faire. Non, il va me mettre un coup de boule. Ou pas. Regardez ce que je sais faire, motherfucker. Ha ha ha. Allez. Merde, il n'y avait personne dans le... Putain, je pensais qu'il allait avoir un...
c'était pas un défenseur. Merde, putain. Si, défenseur Rook. Ça sert à rien ce que je fais. C'est pas eux qu'il faut que je tue. Allez, venez, 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 venez. Yeah, motherfucker. Apprenez. Quoi? Pourquoi elle a pas pété? Putain, c'est pas vrai. Ok. Courez. Ah, ils sont là. Eh, hey, vous, bande de fils de pute. Oui, c'est à vous que je parle. Apprends à voler. Tu vas voir, c'est sympa en bas. Putain, ça les pète bien, ça. Et ça fait pas mal de scores. Merde, j'ai plus de tir d'elfe. Allez, il y en a d'autres à tuer. Oui, c'est ça, on en reparle après. Ok, ça c'était un garde. En bas! Je sais pas comment déclenche ce putain de truc. Maintenant. Oui, j'étais tous au milieu. De pute. Non, c'est pas vous que je veux. Ah, je suis trop rapide. Putain, j'ai plus de vie. Dégagez. J'ai dit. Dégagez. Allez. Allez, putain, faut qu'ils crèvent, ces enfoirés. Ouh, j'ai de la chance. Merde. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai une armée. À moi tout seul. Putain, ils font chier. Oh, ils sont tous là, là. Voilà, ça fait du point. Voilà, ça fait du point. Et ça explose des têtes. Haha. Esquive. Putain, espèce d'abruti. Ah. Je vais pas... y arriver, je me suis fait planter comme une merde. Eh bah oui, je sais, j'ai fait la connerie. En même temps, j'ai pas du tout suivi ce que je devais faire. Putain, nul, à chier. Ah, toi, tu vas faire l'objet de mes potes. C'est pas comme si mes potes étaient tous au pouvoir. C'est lui, Pache, maintenant. Mon gars, Pache, tu vas prendre tellement cher. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, en même temps, c'est un peu de ma faute à faire des conneries comme ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, et puis en plus, vous vous rendez compte que... La reine Marwen était possédée. Ce magicien l'utilisait pour t'atteindre. Faites en sorte que la chasse de... Ouais, bah ça c'est bien, ça va le renforcer, ça va pas être très compliqué. Il l'utilisait. Donc on va faire ça. L'armée dans le Mordor. C'est de ma faute, j'ai fait n'importe quoi. On voit tous les deux le pouvoir du créateur de l'anneau. Il ne peut y avoir qu'un seul... Pas toi, pour moi, pour moi, pour moi. Ah!
Putain, mais c'est trop chaud pour les marquer, on est trop lent à chaque fois. Ah, vous me faites chier, putain! Tiens, le berserker. Oh, mais... T'as fait une connerie! Non mais il est par terre en fait. Mes yeux sont les tiens. Oui, et peur. Putain mais cassez-vous, merde! J'ai jamais le temps de faire quelque chose moi. Mais regardez tout ce qu'ils sont! Allez, je dois aller là-bas. Allez, laissez-moi, s'il vous plaît. Faut que je fasse ma petite mission. Accepté. Voilà. Lui, il va juste faire une partie de chasse, ça va pas être trop dur. Faut juste tuer des... Tuer, il faut juste les tuer. Tuez toutes les bêtes que vous voyez! Allez! Il est vraiment fort, en plus, lui. Oh, je vais taper dessus. C'est bon, il a réussi. Pouvoir accru. Haha, nickel. Allez, faut qu'ils deviennent encore de plus en plus forts tous. Promu garde du corps. Parfait, c'est ce qu'il nous fallait, les amis. Putain, elle devient bonne cette armée, je vous le dis. Bim! C'est qui lui? Qu'est-ce que tu branles ici, toi? Ok, bon. Là, j'ai juste le trois quarts de l'armée qui m'appartient. Il y a juste lui maintenant, il va falloir qu'il m'appartienne. Il va pas être trop dur à tuer, je pense. Pouvoir 14. Allez. On va essayer de monter quelques. Ah, armée rune encore. Bon, ici, c'est plutôt pas mal. Amélioration. Putain, on a encore un point de compétence, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Drainage de combat. Mais ça, c'est naze. C'est naze. On s'en fout de ça, on s'en fout. Mais comment vous dire qu'on s'en fout complètement? Bah écoutez, on va prendre ça, chevauchement spectral. Comme ça, on pourra les chevaucher de loin. Ça va être assez rigolo. Annexe, on s'en fout. Ok, donc ça, c'est fait. Mais par contre, je sais absolument pas comment on déclenche le truc là de... Je vais aller regarder ça entre l'épisode que je vais tourner après. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à plus. Excusez-moi pour cet épisode 23 plein de fails. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas mourir, mais j'ai pas réussi. Voilà. Allez, gros bisous et à bientôt les amis. Salut.